Alors, Ramsès, on rentre direct dans le vif du sujet. Ok. Voilà. Aujourd'hui, tu n'es plus avec ton binôme. Voilà. Chacun évolue à sa manière. Voilà. Avant tout, j'aimerais te demander comment en êtes-vous arrivé là? Ok. Bon, tout d'abord, je vais souligner que moi et mon frère Salvador, je le dis et je le répète, je dis ça partout. Il n'y a pas d'histoire. Voilà. Il n'y a pas d'histoire. On est toujours en contact, en cause. Voilà. C'est vrai qu'il n'est pas là actuellement. Il est au Canada. Mmh. Mais il y a d'autres qui pensent que moi et Salvador, on est en foi, ou bien on est en histoire, ou bien c'est quelque chose qui a fait qu'on n'est plus on est champion ensemble. Non, on a décidé avec le staff, le staff factory, on dit comme ça, bon, ok, quand vous essayez depuis 10 ans, vous faites un truc, ça prend même, on vous sent partout, toujours. Mmh. Vous allez faire chacun, carrière solo. Mmh. Voilà, donc c'est dans ça que c'est parti. C'est tout. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Donc, en réalité, c'est Serge Benoît qui vous a séparé, en fait. Parce que c'est Serge Benoît qui est le boss de Star Factory. Donc, c'est lui qui a séparé le groupe. C'est lui qui a décidé. Non, de toute façon, de façon secrète, Serge Benoît sait qui est fort que qui entre vous deux. Donc, l'autre fatigue l'autre. Donc, il a préféré séparer pour que chacun aille dans son mouvement. Non. Serge Benoît n'a pas dit qu'il sait. Benoît, lui, c'est toi qui l'as séparé. Serge Benoît, c'est pas que Serge Benoît sait qui est fort que. c'est pas que Serge Benoît sait qui est fort que tout. Non, c'est pas ça. C'est juste pour qu'on va améliorer le travail, pour que demain, Ramsès, c'est comme la session d'assaut. Uh-huh. Même actuellement, le groupe quitte nos bits, ils sont dans le même flow. Tu vois un peu, non? Voilà, sinon, on peut. Mais ils ne sont pas séparés. C'est non, vrai ils ne sont pas séparés, mais ils font carrière solo. Ouais, beaucoup de gens disent que vous n'avez pas été reconnaissant envers Roland Le Benghis. Parce que Roland Le Benghis, il vous a pris un moment où vous ne connaissez pas. Voilà, vous avez même habité chez lui, vous avez mangé son sac de riz, tout ça là. Après, on n'a plus compris la séparation d'avec Roland Le Benghis. Vous vous retrouvez encore chez Benoît, tout ça. Non, non, on veut savoir. C'était quoi le truc, en fait, aujourd'hui? En fait, on n'a pas quitté Roland Le Benghis. Uh-huh. Vous savez, voilà. Hubert, voilà. Un père reste un père. Uh-huh. Tu comprends? Voilà. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de discours entre nous et Roland Le Benghis. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. S'il y avait des histoires entre nous et Roland Le Benghis, vous n'allez pas nous voir dans ces films qu'il fait. Mm-hmm. Et aussi sur Voix TV et tout ça. Voilà. Ouais. Donc les gens ont essayé de lier entre les lignes. Mm-hmm. On était avec Victor Lulas. D'accord. Vous comprenez? Bon, Victor Lulas, c'est Victor Lulas qui m'a recruté. Il a recruté Salvador aussi. Mm-hmm. Tu comprends, non? Voilà. Donc, après ça, Roland Le Benghis a vu, il voulait former un trio. Mm-hmm. Voilà, il voulait former un trio. Et le troisième n'a pas voulu rester. Il dit, va aller se chercher à bien, parce que c'est chaud. Mm-hmm. Il dit, ici, c'est chaud. Pour sortir la tête de l'eau, la musique, mm-hmm. c'est compliqué. Donc, V3, c'est pas juste le connais. Mm-hmm. Il est parti au Bénin. D'accord. Donc, c'est dans ça, V3 est parti au Bénin. Et moi, je restais avec Salvador ici. Mm-hmm. Et on a quête, on a travaillé. Comme il dit, on a quête, vous savez, quête, c'est quoi? C'est ouais, dit, ouais, ouais. On a lu. J'avoue, voilà, mesdames, vous savez, on s'est battu. Voilà, on a. Voilà. Donc, on est resté au Roland Le Benghis a décidé de former un duo mm-hmm. pour nous, Ramsès et Salvador. Donc, c'est dans ça, on était avec lui. Mm-hmm. Et aussi, des années plus tard, on est parti vivre avec lui, on était avec lui, mm-hmm. tout ça là. Mm-hmm. Mais après, le vieux père, il a comment expliquer mm-hmm. Il était avec sa femme, mm-hmm. tu vois, avec ses neveux, tout ça là. Mm-hmm. Tu vois, non? Oui. Voilà. Ses neveux qui mangent beaucoup là. Mm-hmm. Ouais. Il était avec ses neveux, tout ça. Donc, tu vois, et puis, nous aussi, on avait voulu, comme expliquer, voler de nos propres ailes. Ouais, ouais. Tu vois, on avait voulu voler de nos propres ailes. Donc, voilà, c'est pour cela qu'on a dit que nous, on va rentrer, comme expliquer, on va prendre notre appartement. Tu vois, il s'est senti un peu vexé. Je le connais, tu vois, oui. Il s'est senti un peu vexé, comme ça. Mm-hmm. Nous, on a dit, AVP, faut pas avoir ça mal. Mm-hmm. Avant de partir même, on a parlé avec lui que non, on va prendre notre appartement, mmh. tout ça, comme ça. C'est tout. Voilà. Mmh. Donc, il ne pense pas que si c'est pour ça, il va se fâcher. Non. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas se fâcher. Non, mais, tu sais, les fans n'ont qu'à essayer de. Les gens interprètent. Voilà, tu es wobé et tu mets cette culture-là en valeur dans. En tout cas, dans les chansons que tu sors maintenant. Ouais. Voilà, d'où ça t'est venu, tout ça? Bon, ça a commencé même avant ma carrière solo. Voilà, quand il était avec Salvador, souvent aussi, même dans son jeu, danser là, mm-hmm. elle est partie, on dit, Nanjou, oui, tu vas danser. Mm-hmm. Même la chanson Poika Maka, mm-hmm. voilà, le dernier son que j'ai fait avec Salvador, et puis mm-hmm. après ça, on a pu faire le son. Mm-hmm. Poika Maka, c'est une chanson de résistance en pays ouais. Mm-hmm. Voilà, quand une femme a accouché,
quand tu as eu du boulot, quand ton enfant il a réussi à son examen, là, les parents se réunissent, ils disent poi, et puis quelqu'un répond là-bas, ma poika, maka, poika, maka, poika, maka. Donc, comme il a vu ça, il dit, bon, on va essayer de mettre ça dans le coupé décalé. Donc, moi, Salvador, on a allé au studio et puis on a fabriqué ça. Donc, les gens n'ont pas pour habitude d'écouter une langue maternelle sur un beat coupé décalé. Ouais. Moi, je vais insérer ça et ça sera aussi ma base. Et ça, dans quel coup, moi, ce qu'on te dit que c'est son petit, moi, je sais pas, c'est quoi le truc en fait? Ouais, moi, je sais pas. Il me dit qu'il s'amusait. Il dit, bon, quand tu t'amusais, Dieu merci. Mais amusement, ça n'a qu'à rester comme ça. C'est mieux. Ça va devenir trop long. Tu as dit, ah, que non, je suis ton petit. Non, moi, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me dise que je suis petit. Lui, quand il me dit que je suis son petit, ce sont mes vieux pères. C'est mes dévanciers. Voilà, mes dévanciers, comme Serge Venot, Fedidi Arafat, Mix, Debordo, Baby Philippe, etc., etc. Mais ceux qui sont dans la même génération que moi, on est même chose.